Hi Mina, c'est Q-chan. Eh bien voilà, on est là pour l'épisode 9 de Final Fantasy III. Pour faire un rapide résumé de ce qui s'est passé, on avait donc rencontré. On avait atteint le monde extérieur, donc le véritable monde en fait, et on y avait rencontré Mademoiselle Aria, donc un autre personnage de soutien, qui nous a guidés jusqu'au cristal de l'eau. Malheureusement, elle a été tuée par Kraken, le démon qui protégeait le cristal. Et malgré une grosse hécatombe, on a réussi à l'éliminer. Et donc, bien sûr, qui dit nouveau cristal, dit nouveau job. Et il est peut-être temps de changer, en effet. Alors, l'UNEF, qui était un voleur, a vu son agilité monter en flèche. Donc, je pense qu'on va. Oui, donc, les nouveaux jobs, c'est chevalier dragon, viking, chevalier noir, conjureur et barde. Alors, déjà, je vais prendre un chevalier dragon. C'est obligé. Voilà. Donc, oui, combat, ça va être un petit peu long, mais ça va le faire. Alors, le viking, pour faire un petit truc. Donc, le chevalier dragon, c'est bien sûr celui qui est spécialiste des sauts et il est assez rapide, donc ça va le faire. Le viking, c'est une espèce de guerrier. Il est très fort physiquement. Le problème, c'est qu'il est aussi assez lent. Donc, il est souvent le dernier à agir. Donc, voilà. Mais bon, il est très fort. Le chevalier noir, il est aussi très fort, mais il a une agilité un peu plus grande que le viking. Et c'est aussi le seul job, il me semble, du moins pour l'instant, qui peut utiliser des armes sombres, donc tout ce qui est des épées noires et tout ça. Et il a une attaque qui puise dans ses points de vie pour attaquer les ennemis. Alors le conjureur, il peut invoquer des créatures, donc sauf que lui, il a une chance sur deux en invoquant la créature que son action soit bénéfique. Enfin, défensif ou offensif. Donc, en l'invoquant, ça peut soit nous aider, nous, en nous soignant ou en nous apportant des sorts bénéfiques, soit attaquer l'ennemi. Et le barde, c'est souvent celui qui est en soutien. Donc, une fois qu'il peut chanter, il peut donner des stats intéressantes, soit soigner, soit augmenter la force ou la défense. Et voilà. Donc, on a donc l'UNEF qui est passé en chevalier dragon. Lui, je pense que lui, il va rester en mage noir pour l'instant. Le mage blanc, on va le garder aussi. Et c'est Ingus qui va changer. Et je pense qu'on va se lancer dans un chevalier noir. Voilà. Voilà, donc lui, il lui faudra 4 combats. Voilà. Je pense que c'est bon. Je ne pense pas changer les autres. J'ai un doute, mais je vais vérifier ça tout de suite. Peut-être que le géomancien pourrait être intéressant en fait. J'ai un doute. Est-ce que je prends le risque de prendre un géomancien? Non, on va garder un mage noir. Voilà. Donc il va falloir que je passe. J'adore le chevalier dragon, il est trop beau. Il va falloir que je passe au magasin pour changer les équipements. Alors, laissez-moi. Ah oui, non. Lui, il nous décrit juste. Voilà. Le chevalier dragon excelle dans le maniement des lances, leur aptitude de saut inflige de gros dégâts tout en résistant aux attaques ennemies. Les chevaliers noirs sont des guerriers de l'arme obscure. Leur noirceur convertit une part de leur vie en des dégâts supplémentaires. Voilà, comme ça, vous avez une meilleure description. Alors, c'est votre vaisseau dans la crique. J'ai vu que Goldor l'a attaché avec une chaîne géante afin qu'il ne puisse aller nulle part. Oui, en effet, je ne sais pas si vous l'avez remarqué à la fin de l'épisode précédent, quand je suis allée sur la map pour sauvegarder, on a vu que notre vaisseau était accroché à une espèce de grosse chaîne en fait. Donc on peut aller nulle part, mais je vous montrerai après. La légende dit que 4 guerriers venant de la terre des ténèbres arrivèrent et en éteignirent la lumière débordante. Goldor craint que vous soyez ces 4 guerriers de la légende. Il a ainsi enchaîné votre vaisseau pour vous empêcher d'atteindre son cristal. Donc Goldor a un cristal, d'accord. Donc on sait où est le dernier cristal apparemment. Il est chez Goldor. Ouais, non, il n'y a personne. Enfin, je suis pas sûre qu'il nous dise des trucs intéressants. C'est comme si j'avais rêvé très longtemps. Ouais. Il paraît que tout chez lui est fait en or. Mais il a si peur que quelqu'un puisse le voler que tout est sous clé. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est un peu comme Midas en fait. Il a un château en or. Le manoir de Goldor se trouve dans les collines loin au sud. Un grand et terrifiant marais se trouve devant. Ce qui est terrifiant, il est sans fond. Une fois tombé dedans, on ne remonte plus. Ah. Pas de traversée du marais sans fond, sans bottes Lévi-Grâce. Je crois que Delilah en possède quelques paires. Vous la trouverez dans les égouts. Ah ben voilà qui est intéressant. Donc il faut aller dans les égouts pour obtenir ces fameuses bottes. Bon, on va quand même visiter un peu Amur, hein, puisqu'on est dans la ville de Amur. On va donc visiter un petit peu. Ce serait bien de trouver le magasin d'armes.
qui est juste là, c'est cool. Alors, voyons un petit peu. Alors, casque viking, on s'en fiche. Côté viking, on s'en fiche. On s'en fiche, ça on s'en fiche. Ok, d'accord. Il y a absolument rien pour les jobs que je viens de mettre. C'est cool. Super. J'espère quand même que l'autre il a des lances. Enfin, ce serait cool. Allez. D'accord. Oh, ce fail. Faut quand même que je vous équipe avec ce que j'ai. Ok, il a quand même une lance. Il a quand même une lance de foudre, lui. Alors, main gauche. Y a pas d'épée pour le chevalier noir? Oh, c'est pas possible. Bon. On va prendre deux épées de foudre. Alors, arc, il peut pas équiper l'arc de Sélénite. C'est déjà pour un chasseur. Pas un chasseur, un. C'est un chasseur. Oui, voilà, le chasseur, il est surtout spécialisé dans les arcs, en fait. Donc, c'est surtout pour lui. Alors, on va peut-être acheter des flèches de fer, comme ça, au moins, on est sûr. Il y a vraiment rien pour Ingus. Oh, c'est pas possible. Bon, on en aura bien une en temps voulu. Alors, lui, on va lui couper les deux javelots, voilà. Alors, ok, pour l'instant, on a un peu que ça. Non, j'ai pas vu un truc ici. Code de feu. Là. Alors. Qu'est-ce que je peux. Je peux quand même lui mettre des épées, oui, bon, ça va. Alors. 55, 69, 85, 27. Ouh, 105. Ok, hop. Et bah, pour l'instant, il va un peu mettre ce qui reste, hein, parce que. Pas le choix. Autant d'avoir des trucs. Alors, allons visiter maintenant. Y a pas un. Y a pas de magasin de magie, tiens donc, c'est bizarre ça. Alors, normalement il y a un Moogle juste là, voilà. Alors, est-ce que t'as pas une lettre pour moi par hasard? Oui, t'as une lettre pour moi, de Taka. Comment ça va, Refia? Pense bien à rentrer tout de suite à la maison dès la fin de ton périple, y a du boulot qui t'attend. Bah, ça va pas, merci mec, on aura sauvé le monde, allez hop, au boulot! Bon, alors, pour ce qui est de fouiller la ville, il faut passer par ici. Ah zut, non, on peut pas. Ah zut, comment on fait pour passer par là? Ah si je sais, attendez. Là, il faut parler à elle, je pense. Voilà. Une de nos légendes dit que quatre guerriers apparaîtront pour bannir la lumière débordante et les ténèbres. Wouhou, c'est nous, et c'est vrai. Mais de quoi s'agit-il? Oh, la galerie des Minus, hihi. Ces petits vieux pensent qu'ils sont les quatre légendaires guerriers. Inconcevable. D'accord. Alors ensuite... Normalement, il y a une scène qui doit déclencher l'ouverture du passage, en fait. D'accord. Comment est-ce qu'on fait encore? Je me rappelle plus. Excusez-moi. Faut que je parle à quelqu'un, mais à qui exactement? Ah, la boutique d'équipement, attendez. Ça doit être elle, je pense. L'entrée des égouts a été verrouillée depuis que des monstres y sont apparus. Je pense que le vieux Gilles a la clé. Ok, le vieux Gilles, c'est qui? Il est où le vieux Gilles? C'est bien gentil tout ça, mais... Le rier, gna, on s'en fout de tout ça. C'est qui le vieux Gilles? Le bâtiment à l'est. Le bâtiment à l'est. L'est. Ah oui, c'est celui qui est là, je pense. Ah! Ici. Voilà, ça doit être là. Alors, petit, vieux Gilles. Oui, ça doit être toi. C'est qui? Qu'est-ce que vous voulez? Nous avons besoin de nous rendre dans les égouts. On cherche des bottes Lévi-Grasse. Vous voulez mourir ou quoi? Cet endroit est truffé de monstres et ça pue aussi. Mais on a besoin des bottes Lévi-Grasse pour trouver le quatrième cristal. Cristal? Vous êtes les quatre guerriers de la légende? Quoi? Les quatre guerriers? Mais nous sommes les élus. Ces quatre le prétendent aussi. Ils disent qu'ils vont dans les égouts. Alors, on va leur faire leur fête. Allez, aux égouts, messieurs. Tayo! Je vais vous montrer le chemin des égouts moi-même. Suivez-moi.
C'était pas loin, quoi, hein. Vous pouvez y aller tout seul, hein. Nous y sommes, allez-y. Bonne chance et préparez-vous à l'odeur. Merci, c'est gentil. Alors, comme je l'ai dit, il y a quelques objets à récupérer avant. Ici, par exemple, dans le champ. On est dans le champ, il y en a... Ouais, il y en a pas mal, hein. Alors, légumes Gisèle... Légumes Gisèle... En même temps, on est dans un potager, hein, donc... Voilà. Donc ici, il n'y avait que des légumes, mais il y a un autre endroit. Un autre endroit qui est pas par là, quoique... Si on peut monter, voilà, c'est ici. Alors, aide-nous, là. Un costume noir, ben voilà un costume pour Ingus. Des gants de voleur. Et un capuchon noir, donc ça c'est pour Ingus. Eh ben voilà, fallait pas s'inquiéter. Même pas en fait. Même pas en fait, mais c'est une blague. C'est pour qui tout ça alors? Pourtant, je veux dire, costume noir, ça me semblait logique. Où est-ce qu'il est? Capuchon noir. Et costume noir alors. Ah, ça me perturbe, j'étais persuadée que c'était pour un chevalier noir. Je veux dire, chevalier noir, capuchon noir, costume noir. Bon, bah tant pis. Alors, maintenant, on va donc aller dans les égouts. Qui se trouvent un peu plus bas, je pense. Là, voilà. Hop. On y va. Alors. Oui. En plus, on va patauger dans la gadoue, c'est génial. Ouh, de petits monstres. Bah oui, évidemment. Alors, ouais, toi, déjà, tu vas sauter, hop. Je suis pas sûre. C'est quoi comme nom? Des... Guéméligrillons, d'accord, ok. Eux, ils n'ont pas forcément de points faibles, donc toi, tu vas attaquer physiquement. Toi, tu vas te mettre en garde et toi, t'attaques. Autant d'avoir des bonnes armes. Alors normalement le chevalier noir, je vais pas dire qu'il a une mauvaise agilité, mais il a quand même une agilité qui est pas mal quoi, donc il devrait assez bien se débrouiller. Bon, il restera quand même le dernier à agir, hein. Ça, on y peut un peu rien. Toi tu restes en garde pour l'instant, je t'attaque. Et bien sûr le chevalier dragon, donc l'UNEF, c'est celui qui a la plus grande agilité, donc il sera sûrement le premier à agir quasiment tout le temps. C'est un peu le but justement, de sauter avant tout le monde pour éviter les attaques. Bon, évidemment, en contrepartie, vu qu'ils sautent, les autres ont plus de risques de prendre des dégâts. Parce qu'évidemment, il y a un personnage en moins sur le terrain. Donc voilà, c'est un risque à prendre, mais bon. Et comme en plus j'ai deux mages, c'est un peu dangereux. Normalement, j'aurais dû équilibrer le chevalier dragon avec un tank. Ça aurait peut-être été le chevalier ou même le viking. Le viking, il aurait pu servir de tank. Mais bon, je suis pas très... J'étais pas très chaude pour le viking. Je changerais peut-être en cours de route, mais pour l'instant, cette équipe-là me semble bien. Après, si je vois que ça ne va pas, je changerai peut-être en cours de route. Alors... Ok... Ouais, on est encore dans l'eau, dans la flotte, c'est génial. Encore? Et il y a d'autres monstres hein, dans ces égouts. Hein. Ok, t'attaques toujours. Toi, tu te mets en défense et t'attaques. Faut quand même pas mal. Hein. Il faut quand même assez mal, c'est ça que j'ai voulu dire. J'ai quand même fait un peu de off... De off. J'ai fait un peu d'entraînement en off. Et j'ai monté mes personnages au niveau 24. Ça devrait normalement être suffisant pour les égouts. Mais bon, restons quand même méfiants. On ne sait jamais. Et normalement, je devrais pouvoir m'en tirer sans trop de problèmes. Je sais bien que je disais ça avec Kraken. Normalement, j'avais le niveau. Mais c'est vrai que Kraken, c'était quand même un bon boss. Je veux dire, c'est quand même le monstre qui veille sur un cristal. Donc, il fallait bien s'attendre à du challenge. Mais voilà. Hop, toi tu sautes, toi t'attaques toujours, toi tu vas faire hop, un peu de soin sur tout le monde. Ah bah génial. Ça c'est bien ça, avant que le chevalier dragon s'envole.
Allez. Ouch. Et normalement, il va l'achever, lui. Et en plus, il récupère un peu de points de vie parce que je... Oui, il a l'épée sanglante. Donc l'épée sanglante, elle puise une partie de la vie quand elle frappe. Ça, c'est pratique. Allez, hop, ça c'est bon. On va quand même soigner un petit peu parce que Refia, elle a pris un peu cher. Donc on y est, hop. Bon, c'est soin 1 de toute façon, donc... Par là, il n'y a pas de coffre. Voilà. Là. Normalement, je pense qu'il y a un coffre en bas, normalement. Allez. Ah, bah voilà des nouveaux monstres. Ah, je déteste les araignées. Merc. Ah, quelle horreur. Ça me dégoûte. Oui, alors par contre, lui... non, parce que je vais peut-être plutôt utiliser mes objets, comme toujours. Voilà, la crosse de lumière. Toi, pareil, la crosse de lumière. Allez, là. Et toi, t'attaques. Ouais, là, et la patte noire, donc l'araignée, elle est sensible au feu, elle, par contre. Alors, dans ces égouts, il n'y a que 4 monstres. Donc là, on est déjà à 3. Il nous en manque plus qu'un. Ce serait bien de le croiser. Ensuite, bah, pas grand-chose à dire de plus. Hein. Alors, par contre, la patte noire, elle est vraiment monstrueuse. Ah, j'ai horreur de ces bestioles. Mais vraiment, je supporte pas les araignées. Je suis arachnophobe, c'est monstrueux. Ok. Non, Chevalier Dragon n'aura pas le temps d'attaquer, je pense. Ouais. Ce qui fait qu'il va pas apparaître... Ah si, je croyais qu'il n'apparaissait pas sur la... Sur la truc de fin parce qu'il était plus sur la map. Alors, il y a bien un coffre ici. Une griffe de chat, donc ça c'était pour le moine, sauf que j'ai plus de moine. Ah, sale bête! Je supporte pas ces sales bêtes! Crosse de lumière... Crosse de lumière, et toi t'attaques l'autre. En plus c'est des crapauds... un peu dinosaurifiés, ils ont des pics sur le dos. C'est génial. Hop. Alors que je soigne Arc aussi, pour pas qu'il s'empoisonne trop. Voilà, et de 1. Ok, toi tu t'envoles, c'est bon. Toi, crosse de lumière. Toi, t'as pas... Si, poisonna, hop. Et toi, t'attaques encore. Voilà. Et de 1, voilà. Et normalement, avec les deux autres, on devrait achever cette saloperie de bestiole. Ouch! Et voilà. Très très bien. Ça c'est très très bien. Alors, ok. Et donc, on continue de descendre. Ensuite, je suis où? Ok, bah là il suffit de suivre le chemin. Il n'y a rien à récupérer vraiment. Sauf peut-être... Oui. Allez, aidez-nous! Ah bah bonjour les guerriers de la lumière. Eh, ils sont en danger. Nous devons les aider. Ouais, bonjour les guerriers de la lumière. Alors, hop, tu sautes. Quoique, je pense qu'il peut attaquer physiquement pour ça. Ça fait pas perdre un tour pour rien. Hop, toi, petite attaque. Voilà, allez, on essaie d'en finir vite, ils sont tous sensibles à un élément, donc ça va. Ouch! Pourquoi ils en ont pour les mages, quoi? C'est dingue, ça. Mais, ah, mais foutez la paix à Refia, purée! Ah! Pourquoi ils en ont après elle, quoi? Ils ont touché que elle jusqu'à présent. Voilà. Oula. Ce serait bien que Refia agisse maintenant, tout de suite.
toute façon, maintenant, l'autre, il a épuisé son tour, donc ça va. Mais Réfia ! J'y crois pas, quoi. Alors... Ok. Bon, bon, heureusement, personne n'est mort, c'est le principal. Un grand merci à vous tous, on a bien cru qu'on y passait cette fois. On pensait pourtant être les guerriers de la légende. Mais peut-être que non, finalement. On est fixé maintenant, pas vrai? On vous conseille de rentrer à la ville pour votre sécurité. Voilà. Donc eux, ils sont là pour l'instant. Alors, clac. Ah bah, je vois que Kringus, il maîtrise son job. Donc il n'y a plus que je vais que l'UNEF maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Merci encore, on est trop vieux pour ça. On va rester ici pour se reposer et goûter à l'ambiance. Ouais, d'accord. Merci encore, hein. Ouais. J'imagine que vous quatre êtes les guerriers de la légende. Ouais. Je pense que ce gars avait raison, la vérité fait mal. Bah ouais, malheureusement. Allez, on continue. Donc comme ça, eux, ils sont sauvés. Et ils ont compris que c'était plus la peine de faire les cons. Alors, ouais. Ok. Ah, y a une porte ici. Enfin, y a un couloir. Oh, des coffres. Cool. Cloche de diamant. Marteau. Ah, le marteau, c'est pas pour le... Je suis pas sûre. Non. Ok, non. Je me demande si c'est pas pour le viking, en fait. Le viking, il peut maîtriser les haches, mais aussi les marteaux, je pense. Alors, ah, encore ici. Ah. Des points Kaiser. Donc ça, c'est pour un moine. Des liens puissants. Et une dague de poison. Ok. Allez! Alors, on va continuer. Par contre, ce serait bien que je trouve le dernier monstre. Encore une fois. D'accord, évidemment. Évidemment, il suffit que je dise ça pour qu'on tombe jamais dessus. Hop. Alors, eux, ils ont pas vraiment de points faibles à la magie, mais bon. Aïe. Aou. Faut vous calmer, hein, saloperie. Alors. Voilà, et de 1. Ouais, Arc qui commence à ne plus faire grand chose avec ses flèches. Donc, à mon avis, il va bientôt falloir lui remettre ses bâtons, je pense. Parce qu'à la base, c'est pas lui le. C'est pas lui l'expert en arc, hein, donc. Je sais, c'est très bizarre de dire ça alors qu'il s'appelle Arc. C'est perturbant. Ok. Voilà. Alors. C'est pas grave si je trouve pas le mot, je chercherai en off comme toujours. Hein. Alors. Ok. Et ben, je pense qu'on y est, ça y est. Hein? Qui êtes-vous? Et que voulez-vous de la vieille Delila? Il me semble que c'est bien elle. On devrait lui demander à propos des bottes Lévi-Grass. Niak, 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 niak. Des blancs becs comme vous, les quatre guerriers de la légende? Pouah! J'y crois pas un instant. Mais enfin bon. Tenez, voilà les bottes. Attrapez! Attention! Vous, je pensais que vous étiez déjà rentré en ville. Comment avez-vous su que ces bottes étaient fausses? On voulait juste vous aider. On avait déjà vu les bottes Lévi-Grass et elles n'avaient rien à voir avec celles-là. Delila, ces quatre-là sont les vrais guerriers légendaires. Delila, donne-leur les bottes Lévi-Grass. Bon, si vous le dites, j'ai pas trop le choix, n'est-ce pas? C'est bon, prenez-les. Voilà, on a donc les bottes Lévi-Grass. Voilà, tout va bien. C'est bon maintenant, nous pourrons traverser les marais sans fond. Merci d'être venu si loin pour nous aider, après tout ce que vous avez traversé. Pas de problème. Allez, on rentre.
Accrochez-vous à moi, je lance le sort téléport. Ouais, c'est pratique ça. D'ailleurs, je me demande si Refia, elle l'a pas téléport. Je sais plus. Voilà, donc là, en effet, et donc on va sortir de la ville et je vais vous montrer donc que voilà, en effet, vous voyez que notre bateau, bah, il est un peu coincé. Hein, et... Oh zut, combat, pas fait exprès. Donc voilà, donc notre bateau est bel et bien coincé. Et ben voilà, il va falloir qu'on trouve, bah, qu'on aille jusqu'au château de l'autre afin de le libérer. Par contre, on va peut-être pas utiliser, voilà. J'ai pas été soignée par contre, ce serait bien que j'aille à l'auberge. Donc voilà, donc il va falloir aller jusqu'au château de Goldor pour de 1 trouver le cristal, puisqu'il a un cristal apparemment. Et de 2, bah, récupérer notre bateau. Hein. Ce serait bien qu'on récupère notre petit bateau. Parce qu'on en a beaucoup besoin. Aïe! Alors oui, il attaque 2 fois. C'est un peu comme un boss. Mais un peu moins dangereux. Un petit peu quand même. Ah merde, je l'ai fait sauter! Je me suis même pas rendu compte que je l'avais fait sauter en fait. C'est pas grave. Allez. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à... Bah, à Vulcana, hein. Je crois que c'était Vulcana qui s'appelait, je me rappelle plus. J'ai dû oublier comment s'appelait le boss du cristal du feu. Alors, bon, je vais quand même retourner en ville pour dormir, parce que ça me traduit bien quand même. Allez, voilà. Amurk est une très belle ville quand même, hein, assez bien pensée avec ses petits îlots autour de la rivière. C'est quand même pas mal comme ville. Alors, laisse-nous dormir un petit peu, s'il te plaît. Voilà. Et je réfléchis. Non, pour l'instant c'est bon. Et on va donc se diriger gentiment vers le manoir de Goldor. Hein, comme ça vous allez voir où il est. Allez, hop, on sort de là. Voilà. Et donc, il est la map. Voilà, normalement il est plus au sud. Ouais, il est même carrément au sud en fait. Alors, ok, d'accord. À peine arrivé sur la terre ferme, on se fait attaquer. Allez, non, pas saut, la t'attaque. Toi, alors lui, il est sensible à la glace, il me sent... Ou au feu, je sais déjà plus. Je crois qu'il est sensible au feu, lui. Hop. Voilà. Toi, t'attaques. Ah, je sais déjà plus. Je les ai affrontés il y a 10 minutes, je ne sais déjà plus... Bon, pas 10 minutes, mais avant le let's play. Et je ne sais déjà plus à quoi ils sont sensibles. Une mauvaise haleine. Ça me rappelle quelque chose, ça. Mais ça me rappelle aussi un autre monstre qui fait mauvaise haleine. Bon, le flambeau il doit mourir normalement. Voilà. Et il me reste plus que le Crocota. Non, Dracota, pardon. Le Dracota. Le Crocota c'était l'autre. Par contre, lui il est sensible à la glace en fait. Voilà. Allez! Voilà. Et on n'en parle plus. 666, le chiffre du diable! On s'en fiche. Allez, hop, on descend. Allez, voilà. Alors, donc il faut contourner la montagne. Voilà, la grande chaîne de montagne. Ok. Des Dracota et une jolie attaque surprise. C'est pas cool, mais pas cool du tout. Génial, et en plus ils endorment. Ok, ouais, je pense qu'on va fuir ce combat. Pas que je m'inquiète, mais bon, je vais perdre un tour pour changer les personnages de place, donc voilà, comme ça, ce sera fait. Alors, donc ici, il y a un petit désert, avec encore des Dracota. Non. Hop, ceux-là, on va les affronter, donc crosse de glace.
t'approches de glace et toi t'attaques. Aïe! Le problème c'est que Ingus n'a pas l'équipement qu'il faut pour un chevalier noir, donc c'est ça le problème. Finalement j'aurais peut-être dû le passer en viking, mais bon. J'assume mon choix. Allez, on se dépêche d'en finir. Aïe, j'aime bien l'outil d'or, ça y est, il prend un coup, il dort. Je sais pas, moi, quand je prends un coup, je dors pas, moi. Voilà. Alors, ok. D'accord, c'est bien. Ces deux-là, ils montent, en même temps, c'est normal, ils ont un nouveau job qui est au niveau, enfin, qui était au niveau 1. Donc voilà, donc ça, c'était les marais. Le fameux marais sans fond, génial. Alors eux par contre ils sont assez dangereux parce qu'ils ont des magies plus, donc ça fait assez mal. D'ailleurs en fait on va carrément, l'autre il a plus que 200 points de vie, donc on va carrément l'envoyer en l'air. Toi tu vas attaquer, toi tu vas soigner, toi t'attaques. Ok, toi tu vas te mettre à l'abri, hop. Oh là là. Ok, donc Erk t'es mort. Je crois qu'on va fuir ce combat parce que c'est un peu trop dangereux. Encore, il y a moyen de survivre quand ils attaquent sur tout le monde. Mais oh purée, il a fait mal, Ingus. Attendez, je peux peut-être alors essayer. J'ai déjà plus beaucoup de queue de phénix en plus. Il m'en reste déjà plus que deux en fait. Ce serait bien que j'ai le sort vie bientôt, assez rapidement. Alors t'es gentil, tu me le retues pas après. Super, génial. Ah, il commence à faire mal, Ingus, en fait. Ok. Voilà. Donc, tout va bien. Donc ça, c'était le marais. Donc en effet, si on était venu avant sans les bottes, on serait pas passé. Et le manoir est juste ici. Alors attendez, on va juste... hop, super potion, claque, voilà. Et donc c'est le manoir dans lequel se trouve Goldor et le dernier cristal. Sauf que on fera ce manoir à l'épisode suivant. Après tout, ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous continuerez à me suivre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, un j'aime si vous avez aimé. Partagez la vidéo, ça fait plaisir. Abonnez-vous, ça fait plaisir aussi. Et surtout, continuez à découvrir les jeux rétro. Ils sont quelquefois bien meilleurs que les nouveaux. Ciao à tous !